Maintenant, tu as fait ça, tu as tatoué un milieu, ça a marché, c'était la bonne technique au bon moment. Attention, les étapes, c'est comme en cuisine, je suis nul en cuisine, hein. Mais vous mettez un mauvais ingrédient avant l'autre, mais le gâteau, il va se casser la gueule. C'est pas grave, t'en refais un. Là, tu te fais buter. Ça veut dire quoi? Attention, les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le flingue, pas vers moi. C'est pas les frappes. Donc, ça, c'est bien. Mais si le flingue n'est pas encore tout là, c'est en égalité, hein. D'accord? Mais ici, si j'envoie les frappes et qu'il bouge en arrière. Et rappelez-vous qu'il y a une arme, s'il est chargé, il y en a déjà une. Il n'a peut-être pas encore tiré. Là, je meurs. Hein. Donc, c'est là où on va doucement. C'est pas dans l'idée, je le pointe ici. C'est d'abord, j'essaie de lui arracher des mains sans le taper. Avec l'énergie du désespoir, pas ça. Sauf que là, on s'arrache les doigts, attention. Hein. Comme un bourrin. Et si ça résiste, eh bien, on tire. Et on gueule. Lâche. Si ça marche pas, on frappe. C'est ça les ingrédients dans l'ordre, si possible. Maintenant, tu as fait ça, tu as tapé un milieu, ça a marché, c'était la bonne technique au bon moment. Pas ça. Combien de mouvements là? Il y en a deux, trois. Combien de mouvements là? Un. Un peu long, mais un mouvement. Pas un, deux, trois. Chaque temps de réflexion, c'est du danger potentiel dans la rue. Donc, le plus simple, c'est ça. Quand tout va bien. Maintenant, il serre très très fort. Moi aussi, il faut y aller fort, hein, normalement, mais on va aller mollo sur ça. J'arrache des mains. Voilà, là, ça enlève la main. Hein. Mais admettons, tu tombes sur un bûcheron, il a quatre bras, en deux. Là, lutte, danger. Moi, c'est ma conception en self-défense. Lutte égale danger. Ne luttez pas. Ne restez pas en lutte, c'est ça que je veux dire. Dès que ça lutte, vite, il faut faire quelque chose. Sinon, danger. Sur une arme. Ça marche? Donc, c'est ça. Mais, vers le haut, esquive de tête et on arrache des mains. Si ça résiste, on shoot. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc que je t'offre donc pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Lacariès, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux de la self-défense. Donc, comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite donc dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. À tout de suite.